Et payer pour s'intégrer, ce sera dur, hein. Il faut le dire. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui pour moi, c'est une marque. J'aime le français, hein. Au Congo, on s'en branle tout ça. Bon, là, au Congo, on compose. Ton français long, là. Hein? Non, au Congo, non. Non. On s'en fout, ça. Non, mon français n'est pas long. Je vais sur quelque chose qui est important parce qu'on oublie les identités parfois. Aujourd'hui, On a contourné tout ça. Laetitia, Sous-titrage Société Radio-Canada.
Ella, comment tu vas ma belle? Bonne année, bonne santé. En tout cas, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants. Ah, enfants. Ah non, on repousse pas. Dans, deux, dans 5 ans alors. Après, après ça va faire ça. Ça va? Ça va et quoi? Bonne année, hein? On a là. Ah bon? On va faire comme ça. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Chers enfants, chers parents, au nom de Candice et de Yvon, nous vous remercions de votre présence ici. Et si nous sommes retrouvés ici, c'est pour honorer la mémoire de notre maman, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, Hélène, qui nous avait quittés au mois de novembre 2016. Et comme vous le savez si bien, d'après nos traditions, car les traditions, nous dévancent aussi dans tout ce que nous faisons. Et la mémoire de notre maman, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, que nous avons pu honorer ce matin lors de la célébration de la messe de Requiem, ces festivités, ce partage de ce repas, et aussi en son honneur. Et comme nous savons aussi que la tradition ancestrale n'est pas incompatible avec aussi notre tradition, notre foi chrétienne. C'est pour cela, avant que nous puissions partager ce repas qui nous a été offert par le couple Yvon et Candice, nous allons faire une petite prière. Cette prière, c'est pour honorer notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, et aussi de renforcer notre foi à celui qui avait institué l'Eucharistie, ce partage, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous demandons à notre Seigneur de bénir le repas qu'il nous a offert, que nous puissions penser également à tout ce qu'ils n'ont pas à travers le monde, dans notre contrée, notre latitude au Congo, et dans d'autres contrées où il y a la famine, il y a la guerre, il y a la désolation. Que le Seigneur puisse, par son regard de compassion, étendre sa main droite et puissante sur ce que nous allons partager aujourd'hui, ce repas. Car il avait dit lui-même, je vais instituer l'Eucharistie afin que vous puissiez être en moi et moi en vous. Bien-aimé, que ce repas puisse nous unir davantage à notre Seigneur pour que nous aussi, nous puissions faire les œuvres qu'il avait faites en perpétuant ce rituel de l'Eucharistie. Père très saint et miséricordieux, toi qui es amour, toi qui nous as gardés depuis le lever du grand soleil central jusqu'à maintenant. Père, par ta présence ici en ces lieux, faites que ce repas que nous allons partager, ces agapes, puissent être bénis par vous et puissent nous donner la santé, la sagesse, l'amour véritable, la fraternité. Merci Père de votre présence ici. Que votre présence puisse manifester aussi
la compassion à tout ce qui, à travers le monde, souffre de cette famine, souffre de la guerre, souffre de la désolation. Merci Père pour ton amour, merci Père pour ta gratitude, merci Père de ce repas que vous nous avez donné. Amen.